Allez, t'es prêt? Alors, petit débrief de la soirée, là on est le cinquième jour, si je dis pas de conneries, hein. Cinquième jour, vous êtes couchés à quelle heure vous les gars? 5h. Là aujourd'hui c'est quoi? C'est une journée détente, ouais. On va faire un petit resto, petite karting. Voilà, on va se mettre. Ouais, ah ouais, balade aussi, je crois. Allez, va falloir qu'on aille grailler un bout là maintenant. Ouais, j'ai fait. Allez, allez, un petit café. Allez, aussi. Bim, allez. Voilà, restons un peu, voilà. Voilà, hop, mets en plein dans ta bouche. Ce genre de pause naturelle là. Mets en plein dans ta bouche là. Oh oui, come on, vas-y, glimime. C'est plus compliqué. Moi je passais par là et j'ai cru. Ah ah. Après, si vous voulez, vous pouvez venir tourner avec nous en fait. Moi c'est culé vers la bouche. Mais ça donne pas. La pure nounou, tu sais. Ah ouais. Oh ouais, c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Et tu la vois, cette tasse de céréales. Ah ouais, c'est bon ça, ouais. Oh oui, c'est bon les céréales. Elim qui bait, Kana t'es fait derrière. C'est sketchy, c'est game. Fais-le, man, fais-le. Allez les anges, on y va, c'est parti. Les anges. Allez, allez. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue pour cette 34e émission de Je sais pas où on va mais je sens que ça va pas être très halal. Goddamn shit, bro. Goddamn shit. Je vous tiens gros joint à la main, même à Carca, bra bra. Voilà, c'est pas vrai. Voilà, c'est sur le panneau. Il y a marqué. Venez à la cité, vous allez voir. Ah ouais. C'est un. Il te goume tel les chevaliers. Ah, je crois qu'il t'encule sur les tarifs. En plus, regarde les tarifs, regarde les tarifs. Ah ouais. Oh. C'est la première fois qu'on vient ici tous, je crois, là, non? Enfin, à peu près. Toi, c'est la première fois que tu viens ici à Crib, non? Ouais, moi, c'est la première fois, jamais venu auparavant. Ça va être dur. Ça fait longtemps. Je vous conseille d'aller visiter le musée de la torture à la cité de Carcassonne, qui est très très bien, il y a beaucoup d'histoires historiques. Wow. Je viens d'inventer une phrase. Néo, première visite de la cité de Carcassonne, c'est ça? Non, en vrai, moi j'étais déjà allé, mais t'as vu, je connais. J'ai un plaisir. Les poteaux de la cité, là, je les connais bien en plus, t'as vu. C'est PZ! Ouais, allez, 3, 2, 1. Nidamérianis! Yeah! I get those goosebumps every time. I need the hype. Throw that to the side. I get those goosebumps every time. Yeah, when you're not around, throw that to the side. Est-ce que Arthur, tu peux expliquer aux gens où est-ce qu'on est exactement ici? Peux-tu faire une petite publicité? Le trou vert, le plus vieux bar et restaurant de la cité de Carcassonne. La meilleure adresse pour manger, Place Marcou, en plein milieu de la cité de Carcassonne. T'entends pas ou quoi? Excellent. Allez, merci. Merci. Tu vois, la sauce carthagène, c'est genre un peu... le sale, c'est énervé. Le check est trop lourd. Ryan Cromston. Et il montre pas une seule fois. Armstrong. Ouais. Armstrong. Ouais, c'est un génie, c'est pas tard. Le mec, il est passé de Malcolm à Breaking Bad. Oh, et avant, il y a eu d'autres trucs. Ouais. Tu sais qu'il a percé le Taguetar, genre à 40 ans. Aïe, aïe, aïe. La galère. Robert Deneige Jr., son père comme son père comme lui, c'est des anciens accrois à la drogue. Que du riz. Je crois que c'était un gars sain. Hein. Non, c'était un. Ah non, alcoolique et à la rue. Non, c'est pas une idée de ça. Non. Ça, c'est qu'il est devenu. Il est devenu. Kenny Reeves, il sort de ça et il est redevenu en mode. Rodé Junior, c'est pareil. Rodé Junior, bah, lui, c'est son père à la base qui était dans la drogue. Prends la cam avec la cam et tu fais un vrai micro de trottoir. Voilà. Voilà, là, on va voir. Tu sais, voilà, pour même pas 5 centimes, tu te lèves, tu fais un micro de trottoir. Et t'es là, tu veux me dire que tu veux sucer une bite pour un milliard. Ouais. Un milliard. Tu poses vraiment la question, excusez-moi. Question. Viens avec moi, t'es pépé. C'est bon, tu me suis? Ouais, je te prends au fort là. Bonjour. Excusez-moi. Bon, on fait une petite enquête pour avoir, en fait, les gens, ce qu'ils ont comme valeur de l'argent ou pas. You don't speak French. Ah, you don't speak French. No. Okay. Comment on dit Would you suck a dick for one milliard, comment dire? If someone arrive and give you $1 billion, yeah, and say you have to suck my dick, would you say yes or no? No, but
tell you for $80 it looks fine. Non. Non. Ok. Bon, eux c'est non, du coup. Bonjour. Vous êtes chaud que de prendre une petite enquête vite fait? Tu ne parles pas français. Ah, je parle pas français, vas-y. J'ai l'impression que personne parle français. Alors on se croit, c'est sûr. T'es tétanisé, j'ai passé la bagatelle. Saute pas, saute pas. On va les couilles, j'en ai marre. Déconne pas, Néo. Arrêtez. T'as le droit de faire du parcours ici, je pense. Hein. Oui, c'est écrit en gros, ne pas monter, toi tu es dessus. Ah, d'accord. Regardez, lui il s'est perdu à travers le temps. Il roule un petit. J'admire un petit thé, le paysage, la verdure. Un petit thé, là c'est le Carcassonne. Délabré, tout ce qui est délabré, j'adore. Moi, oh oui, regardez mon survêt, il est assez délabré. Oh oui, j'adore, c'est... j'adore. Casquette délabrée. Casquette délabrée, j'adore. Voilà. Tout délabré. Excusez-moi, vous avez quoi dans la main là? C'est la police. C'est la police. Là tu vois ça, c'est une meurtrière, c'est à dire que tu te mettais là avec un arc en bas. Ouais, là t'as broché fort. Et eux en fait ils faisaient des armes à les guetteurs, t'as vu, ils voyaient s'il y avait les keufs, là il y a les keufs, ah ah, flèche et tu te bats. Ouais, mais il fallait nous dire que vous vous arrêtiez, nous on marchait. Ah bah, je m'en souviens. À la beige, au centre de la beige là. On va au karting, ma gueule. Les gars, là ça va être voir elle. Il est bien. Vico est déjà arrivé. Allez, freestyle maintenant là. Bam bam. Bien, bien. On t'aura vu freestyle partout. Mais ouais, gros. Comprends la souffrance, comprends la douce France doucement. Manque de substance, pensée fulgurante, gérer la distance, hurlement. Y'a pas de mi-temps, on est des mutants. On marche en montant, soudainement. Le courant descendre, tu cours en descente. Dresser la beugeant, croche pas descend. Grand corps est malade, l'esprit itigeant. Les neurones grillés, la dose est exigeante. Trou dans les joues, mais tu restes attirante. Un jour t'étais la gérante. Par moins de moi, je ne veux pas que Dieu te tente. Gudro est tendance, ta mère est en transe ou ta mère dans l'errance. Suis la cadence ou prends des grandes vacances. Oh shit. Suis la cadence ou prendre des grandes vacances. Dans tous les lieux. Oh merde. Tu es venu en faire ici toi du karting? Je suis déjà venu en faire, mais j'avais toujours pas le permis. Et ça continue gros, deux ans après ça continue. On change pas l'équipe qui gagne. Ah il connaît le circuit. Il connaît le circuit frère. Mais genre, mais ça se trouve il connaît. C'est ici que ça se passe. Attention. On a mis un petit billet dans les bâtiments. Il est cramé. Je me sens à l'aise en plus. Je suis bien mec, je suis chez moi là. Donc vous allez partir tout droit, passer entre les deux grands cônes au bout de l'allée. Et vous irez continuer toujours tout droit pour aller tourner derrière le virage. Vous tournez pas à droite après le cône, vous allez bien tout droit pour tourner derrière le virage. Restez bien accéléré jusqu'au bout de la ligne droite pour le chrono. Et après le 11e tour ne compte plus. Donc vous faites un 11e tour de décélération. Et vous viendrez gentiment vous arrêter dans les des stands, juste ici devant vous, poser les cartes là où vous les avez prises. Et laisser la place à vos collègues. Ça marche. Go shorty, it's your birthday. We're gonna party like it's your birthday. Gonna put a party like it's your birthday. Yes, allez, Brian! En mouillé, ça va être un autre délire, hein. Vous allez capter, les gars! Ah, ouais, ça va être un autre délire! Là, ça va être tête à queue à part! Ouais, bah, les plus mouillés, oui! Enfin, les plus mouillés, la petite finale! Ah, ouais, là, vraiment! Je rejoins, je peux faire le full! Je vais piloter là! Allez, les gars! Là, la petite truc, tu pars! Moi, je vais rester normal, pareil! Et oui, si ça s'arrête! S'il vous plaît, mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Arthur CDXX! Maintenant qu'il est présenté, nous allons passer au prochain challenge. Maintenant qu'il est présenté, on va pilote. Ah, ça y est, mais lui, il s'est réveillé, il va passer, s'il vous plaît. Aïe, aïe. Attention, tout va plus loin. Ouais, Lucas. Ouais, ouais. Incroyable.
trop chaud ma gueule, trop chaud. Ah ouais, c'était énervé gros, c'est bien. La pluie ça régale gros. Demande-lui ce que je vais tout droit. Je freine, je fais le mouvement, je vais tout droit. Tu me dis quoi? Lui il m'a vu passer, il était là, il avait... Il a tracé quoi ça. Je suis allé tout droit, tu vois le coup de frein, coup de frein, coup de frein. Je lâchais l'accélérateur et bah ziac. Allez. Alors que je laissais l'accélérateur, je restais au moins mon pied appuyé sur l'accélérateur. Je dérapais un peu. Et allez le groupe qui reprend la course en plein après-midi, voilà, après la pluie. Donc ça démarre lentement, hein. On voit déjà Chris qui est devant, il y a Clip qui reprend, voilà, il y a Clip qui prend, Chris à l'extérieur. Attention, ça y va, premier virage. Chris, intérieur, voilà, il le passe. On remarque derrière Green qui est en plutôt bonne posture. Attention, Néo très derrière sur la première ligne droite, on sait déjà. Est-ce qu'il va rattraper son retard? Ça, nous ne le savons pas encore. On passe sur une autre caméra. Attention, ça y va fort. Oh là là, la tête à queue de Néo. Néo et Green qui se rendent dans la sortie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il passe au milieu, il arrive à s'en sortir. Oh, le tête à queue de Néo va lui coûter très cher pour la suite. Et aussi, il a retrait dedans, auto-tamponneux. C'est trop bête pour Green. Oh ouais. Bon. J'ai fait la flaque deux fois là, au virage. Ah, moi aussi, au début je l'ai pris deux fois, je t'ai pas dit j'arrête. Les gars, ce qui se passe, il n'y a rien. Genre là, il n'y a plus d'eau. Il y avait des grosses flaques comme ça. Brighton, il s'est trempé, il est tout mouillé. Mais ouais, ça a séché. Il est tout mouillé. Moi, je l'ai cul mouillé. Ouais, on va. Sale. Aïe aïe aïe. Oh les skills. Oh les skills, gros. Oh les skills de Green. Ah, Green. Ouais tiens, ouais. Ah ouais. Et tiens, trop chaud. Ah ouais, c'était fini ou pas la course du coup? Non, c'était fini mais il y avait le dernier tour de décélération, tu sais. Au PC mon pote, au PC. Au PC. La victoire, que la victoire. Ah Green. Et alors? C'est différent mouillé là. Ah ouais mouillé. Les sensations elles sont... Ken Block. Au PC mon pote. Que la victoire. Il va bientôt finir chez Lamborghini là. Bientôt. Il a été repéré. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a la meuf qui était pas là pour vendre des bières. Il était là en train de repérer le Martin. C'est 4-7 ma gueule. Offert pour Martin. Tu veux dire rosé, blanc et rouge. Oh merde, j'ai lancé les deux en même temps. Il est à l'intérieur avec une. Ah bravo, ça finit premier, ça c'est pas rattraper un briquet. Non, c'est Etienne le premier, de loin mon gars. Ah, tu aimes bien le soir. Il est pas sur le podium. Il m'a donné un défi là, c'est chaud. Mais justement, ça me frappe. Ah bon, je suis dernier. C'est Lewis. Non. Je t'ai dit. Non, mais dernier, tu montes pas, gros. Mais c'est la dernier. Ah, mais le dernier, le dernier, c'est moi. C'est moi. Merci. C'était un spoiler. Voilà, ça sent là. Je te dirai un mot pendant que j'ai la caméra. Yacrib, premier, Ken Block. C'est pas le podium là. Le suspense est dans le coin. The Windsor, troisième. The Windsor. Ils ont écrit The Windy. C'est moi qui dis le premier. Bravo à Lucas. Lucas! Ouais, l'alcool, ouais! Ouais! Eh maman, regarde-le, il est bourré! Cinquième, c'est Carlo! Voilà! Carlo! Carlo le calamar! Oh là là! Ah la bien place Néo, t'es pas sur le podium. Reste dans la fosse. Ah Néo, la pire place Néo. Déception, je suis même pas sur le podium frérot. Je suis même pas envie de parler. Maman, regarde. Plus batterie, on coupe ça, plus batterie.
Toute la bière, elle s'est renversée, TP. Non. Toute la bière, mec. Mais non. Je te jure, mon gars. Je suis abattu, mec. Bonsoir. Hey, 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 Sergio qui est de retour. Alors ce soir, Sergio, qu'est-ce qui va se passer? Ça tourne là, non? Ça tourne, là, ah, non. Ah, si, ça va déchirer ce soir. Yo, yo, yo. On va voir si Sergio valide les sons, mon ref. Eh, alors, alors, pronostic. On va voir ce que Sergio en pense. Pronostic. De quoi? Alors, est-ce que Sergio va préférer le featuring avec DROP Ice Skip, le featuring Lewis Neo, ou le feat commun à 4? Que penses-tu? J'ai rien compris ce qu'elle dit. Moi, j'ai envie de dire... J'ai rien compris. Qui va préférer... C'est pas grave, c'est pour Ice. C'est pas grave, c'est pour Ice. Langage codé, langage codé. Ouais, non, langage codé, on est sur écoute. Moi, j'ai envie de dire... Peut-être le feat commun, tu vois, ouais. Mais je me dis Sergio, peut-être il va plus kiffer le son un peu dansant Lewis Neo, tu vois. D'accord, ok. Là, on va écouter les trois morceaux, tu vas voir les zigotos, ils vont se mettre à sauter partout, tu vas voir. Tout va bien. Tu vas sentir le rock'n'roll. C'est le mot que je cherchais. Lui, ma chérie, on t'attend. Mauricio. On t'attend. Mais si, c'est mon Dieu. Arrête-toi. Ouais, si tu veux, si tu veux. Bon, mais super. Ouais. C'est genre, on est tout là. Ça fait mal. C'est ça, le ok. Je peux pas pioncer. Jack pour commencer. Renoir, je suis déjà dans le train. Je suis dans le starting, vas-y, dis-moi quand est-ce qu'on y va. Je t'aborde comme un pirate. T'es moi comment je pillage. Je te laisse aucune chance si jamais t'es pris dans mes IH. Serre-moi un verre, c'est parti pour la fête. Calcule pas le compte en banque, je vais y claquer toute la paye. J'aime faire les choses en grand. J'ai taffé pour ma main. Je suis dans le carré avec Neo et y'a tout le clan avec. Pas là pour rigoler. Ah ouais, c'est Jules. Pour les échanges, faut bien couler le sang. Le président est pas ta Rothschild. Tu m'as compris, le gars amovible. Pas la terre folle. Faut enlever les idées noires. Les gens sont trop zarbis des fois. Beaucoup de preuves, fallait qu'il nettoie. 12 piges, j'avais 10 ans quand il a mis les doigts. Sale, comme un clan d'eau qui se pique. Sale, comme un homme politique. Sale, comme les hommes de l'église impliqués dans la drogue, dans les viols collectifs. Le monde n'a aucune dignité. Y'a que des tueries là-dedans. J'adore ça. Je réponds pas. Attaqué de toutes parts, négro, t'inquiète, je les laisse parler, je les écoute pas. Je te laisse pas vu, je donne même pas l'heure. Là, je suis au sud, gros, je découpe ça. Je reste focus, toujours trop de focus. Laisse un sage, mais je te réponds pas. Le réseau est brouillé, viens pas m'embrouiller. Sinon, tu vas te manger que des coups de bras. J'allume un béto quand la nuit se lève. Le bigot sonne, mais je réponds pas. J'pédave la drogue avec Whistler. Car dans mon crâne, c'est un attentat. Ta mère, personne ne me baisse la tête. J'recoute le bénéfice de la quête. Répondra à tout, pas répondra à l'occasion. Décrochera pour la K, une jeunette en Espagne. Faut que ces putes méprisent ta femme. Baisse ton foot, on aiguise de la lame. Sur les troupes, y'a les riches qui ricanent. Sur les buts, tu mets des rimes qui décharge. Chacun son job, mais le corps habité est trop dynamisé. Ma force a laisse un message après le beat. Je rappellerai pas cette bitch, j'suis au studio. Kid m'a dit de massacrer le beat. Tu de up, si j'ai pas des traces après le cri. Je réponds pas. Nique sa mère, je réponds pas.
je réponds pas. Je réponds pas. Arthur. Ce DXX, allez, allez. Ce DXX, allez, allez. Même moi j'en prends. Ouais. Lucas. Bon verre. Merci. Allez, ciao. J'ai mon verre. C'est-à-dire sans aucune racine qu'avec des instruments. Regarde le mec comme il a balle dans son truc. Le jour où tu vois ça dans un concert de 2020, tu m'appelles. Ok, il y a peut-être des rockers, il y a peut-être des certains rockers. Mais la tête de ma mère, tu m'appelles. Putain, ça me rappelle des bon souvenir parce que j'ai failli aller à Woodstock. J'avais 14 ans à l'époque et mes parents n'ont pas voulu. Putain, il fallait que je traverse l'Atlantique. Mais heureusement que je suis pas allé là. Heureusement parce que je serais plus ici. C'était le bordel. C'est l'époque sex, drogue and rock'n'roll. Oh là là, c'est trop. Vic, tu vis une semaine de malade, une putain de semaine de malade, c'est trop cool, c'est génial. J'aimerais dédicacer ce morceau tout d'abord à tous les haters qui répondent pas parce qu'ils préfèrent manger du poulet végétarien, n'est-ce pas? Et TPZ, j'aimerais finir sur la vie c'est beau, mais qu'en est-il de la vie qui est moche? Ça fait que commencer. Tu sais. C'est que le début. C'est que le début d'une belle aventure. Belle aventure. Eh bien écoutez, je crois qu'il est venu le temps de clôturer cette aventure, de clôturer cette vidéo et surtout de vous annoncer quelque chose. Rendez-vous ce soir dès minuit sur toutes les plateformes pour découvrir le projet Hashtag 1 avec les 3 sons enregistrés lors de cette saison dans la Villa Sergio. Et même pour ceux qui ne voudraient pas attendre jusqu'à minuit, rendez-vous dès maintenant pour voir le clip de Je Réponds Pas qui est le son commun avec les 4 MC sur la chaîne du studio CDXX. Je vous mets le lien à la fois en description et sur l'écran, donc logiquement vous pouvez cliquer maintenant là. Ouais. Merci de nous avoir suivis. Honnêtement, on s'est régalé à vivre cette aventure, à créer de nouveaux liens, à vous partager tout ça. Et on espère que de votre côté vous aurez kiffé voir cette saison. En tout cas, vous le saviez, hein, le but c'était de créer, voilà, de la musique avec des mecs qui ne se connaissent pas spécialement au début, partager des moments de vie, échanger, surtout voilà, l'échange. Et au final, il y a des dingueries qui sont sorties, donc le défi a été relevé, c'est chose faite. Enfin, pour les dingueries, ça, c'est à vous d'en juger depuis les plateformes. Merci encore à tous de nous avoir suivis. C'était TPZ en direct de la Villa de Sergio. À très bientôt. Ciao la TPZance.